Satisfait, oui, parce que on joue une équipe réserve. Donc ça va être un match de réserve contre réserve. Après, on aurait aimé recevoir, comme tous les coachs. Mais voilà, match intéressant, Sud-Lyonnais, bon voilà, quelques amis là-bas, quelques joueuses que je connais aussi, donc on va pouvoir se retrouver. Sur une autre thématique, mais par rapport au club de manière générale, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2020 pour le club? C'est quoi les objectifs là? Ah bah alors l'objectif à Chazet, c'est donc le maintien de la une en R1, jouer la montée avec la réserve en R2. Et là, comme on a créé l'équipe U18 cette année, on espère se qualifier dans la poule haute pour essayer de voilà, faire grandir les filles qui sont toutes des premières années pour travailler sur les 3 ans des U18 pour arriver à sortir ces joueuses-là pour les mettre, que ce soit des renforts dans les années futures pour la R1. Pas mal d'objectifs quand même. Ouais, il y a quand même quelques objectifs là sur les deux saisons qui arrivent. Il faudra beaucoup de réussite, du coup, faut espérer de la réussite. Voilà, faut que toutes les planètes s'alignent, comme on dit, et puis faire le boulot.